Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce sixième épisode des aventures de Samus, toujours dans Super Metroid. Donc là on va retourner sur Brinstar, mais voyez là on va aller à fond les ballons. Les ennemis, on en a plus peur, surtout dans cette zone. Là souvenez-vous, nous avions les pirates de l'espace, mais on en a plus peur non plus, voyez maintenant, ils ont plus besoin des missiles pour se faire abattre. Maintenant on a le. Le voir le high beam. Alors là par là, je vais vous montrer quand même. Hein. Cette salle, on y retourne beaucoup plus tard. Donc là en fait, c'est la chambre froide. Et pourquoi une chambre froide? Vous allez savoir pourquoi. Donc en fait, cette salle, on y revient tout à la fin. Hop. Oula. On y revient tout à la fin, vous avez vu, ça a clignoté en fait. Ça, c'est tous les boss, les gros boss que je devrais faire. Donc là, vous voyez, Kray a été abattu, donc il a perdu de sa splendeur et est devenu un truc de pierre. Et après, voilà, vous aurez tous les autres boss du coin et vous comprendrez plus tard ce qui se passera. Je ne vous le montrerai quand on y arrivera. Hein, on va pas. S'ennuyer avec ça. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à récupérer? Je vérifie toujours. On sait jamais si on a un truc d'énergie qu'on peut récupérer. Donc là, je vais passer. Voilà, on passe tranquille. On retourne sur Brinstar. Je vérifie ce mur parce que je l'avais pas fait la dernière fois. Je vérifie aussi les plafonds. Non, faut être droit dessus. Bien au milieu, voilà. Sinon, il se met, comme vous avez vu, il se met en boule morphine. Donc là, on arrive bien sûr sur Brinstar. Ah, bah oui, ouais, si. J'ai bien fait de garder des explosifs. Je vais m'en souvenir. Tais-toi, toi. Ah, j'ai pas fait ici, tiens. On va aller faire les salles. Ça peut être intéressant de les vérifier. Toi, non, tu m'as. Ici. Donc là vous voyez, il y avait une jauge de missiles, j'y retournerai tout à l'heure. Ah, je crois qu'il fallait que je vienne ici. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah oui. Hop. C'est pour le rechargement auto. Si vous faites toucher. Si vous faites toucher que vous arrivez tout à zéro, voilà. J'aurais pas dû faire ça. Quoique si. Si, j'aurais dû faire ça. Ah, il y a le super missile ici. Ah bah oui, c'est vrai, ici... Voilà, hop, je vais quand même aller prendre le missile. Voilà. Comme ça j'en aurai un peu plus. Donc là je vais descendre. Non, pourquoi je descends? Je descends alors que j'ai pas fait la porte qui était de ce côté. Donc, vous voyez là, on commence à avoir beaucoup de missiles, de super missiles. Ça va être un peu plus tranquille. Toi, tais-toi. Toi aussi. Pourquoi je fais tout exploser? Là, généralement, ces passages secrets nous amènent en... Voilà, hop, on va aller détecter la map. Donc là, nous avons une sauvegarde juste après, un truc à aller récupérer. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a des salles que j'ai pas fait encore, on ira les faire. Donc là, pareil, je vérifie. Voilà. Il n'y a rien, hop.
Je sais parce que je me souviens que dans une salle, une fois j'avais fait juste ça pour rigoler, j'avais découvert une... Je crois que c'était un missile ou un... Ou de l'énergie, je crois. Malgré que je vous dis, j'ai le livret, mais genre... Voilà, il faut battre tous les ennemis. En dessous, je vais aller dévoiler la sauvegarde comme ça. J'aurais pu le faire après. Parce que ces portes, on les ouvre une fois avec les missiles et après, comme vous avez pu le constater, on a pu le faire. Pareil, je vais vérifier qu'il n'y a pas un truc caché dans les plafonds. Je sais que c'est mieux à l'explosif, mais bon, je vais plutôt le faire. Donc là, hop. Je pense qu'on peut le faire. On pouvait le faire avant, mais bon. Ah oui. Donc là, oui. Essayez de pas tous, de pas les tuer. Alors c'est justement super d'avoir le laser ice beam parce que ça ne les tue pas. Vous voyez, ça les gèle. Et en fait, quand on les tue, on se retrouve dans le noir. Hop. Donc là, c'est pour recharger nos. Je crois parce que bon, ça recharge que les missiles en fait. Je pensais que ça rechargeait aussi les. Le power bomb. Non, ça recharge pas le power bomb. Ça ne recharge pas le power bomb. Ah hop. En plus, ils nous servent de trucs pour sauter. De plateforme pour passer. Et là, vous voyez en dessous. Là, je vais mettre un petit coup. Il nous faut. Heureusement que j'en ai gardé une. Hop. On peut pas passer encore. On va descendre de plus en plus bas. Là, il y a un passage. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas. Voilà. Ouais. Petit truc ici. Je crois que c'est plus tard ici. Il y a un truc à faire ici plus tard. Ah non, je crois que c'est parce que c'est le circuit qui m'amène jusque là. Oula, oula. Là, on a besoin, je crois, du power bomb. Le power bomb. Non ? Bon. Je pensais que cette salle, il y avait quelque chose de caché. Non ? C'est peut-être pas celle-là. C'est peut-être pas celle-là. C'est une du même genre. Vous voyez, les salles... Ah. Oula. Vous avez vu le troll ? Je crois qu'ici, il y a quelque chose à faire ici. Hop. Oula, oula, oula. Donc là, on va aller massacrer à coup de... Alors là, il faut faire des petits sauts. Pas se faire abattre par les machins. Hop. Je fais pas de gros sauts pour pas me prendre dans les pics. Et je dis ça et je me prends quand même en ceux d'en bas. Ou les mannes. Hop. Et je me suis fait une explosion boost. Ah. Voilà. Là, on apprend le wall jump. Et vous avez entendu ces petits monstres. Hop. J'ai toujours eu du mal. De toute façon, dès qu'on commence à y arriver, dès qu'on commence à comprendre, de toute façon, au début. Là, au début. Vous voyez, il nous montre. Là, il faut sauter comme ça. Voilà. Donc là, je crois qu'il y a un truc ici. Je vais la récupérer. Et là, c'est le passage que j'ai pris tout à l'heure, que j'avais tout à l'heure. C'était pour vous montrer. Je sais qu'il va falloir que je remonte. Je vais essayer de pas me faire troller cette fois-ci par. Donc
lui, on va essayer de pas se faire en sorte qu'il se nous prenne pas. Donc là, je vais foncer. Ah, je voulais foncer, mais je crois qu'on peut pas le, on peut pas le passer. Tiens, je vais aller prendre ce passage quand même. Peut-être quelque chose. Oh, il y a une sauvegarde. Je vais faire un petit un coup d'explosif quand même. Bon, il y a rien. Petite sauvegarde. Se replacer pour le wall jump. Voilà, on va pas s'ennuyer à aller essayer de les tuer plutôt. Donc là, je suis obligé malheureusement. Là, je suis obligé de le tuer parce que sinon, il va pas me laisser passer. Et calmez-vous. Hop, oula. Par contre là, c'est chaud. Ah, hop. C'est en mode... Ah ben là, par contre, j'utilisais les super missiles. C'est pas bon. Donc là, on va refaire les wall jump. Sauf qu'on va grimper. Donc là, vous avez compris, ils refont la musique de... Donc là, par contre, j'ai toujours du mal. Donc là, en fait, il faut... Hop. De toute façon, dès qu'on a pris le coup, ça va beaucoup mieux. Au début, c'est pas simple. Dès qu'on a compris, je fais en haut. Donc, en fait, il faut faire hop, hop, hop. Un coup à gauche, un coup à droite. Mais bon, faut que le stick veuille bien. C'est pas facile. Dès qu'on a pris le coup, après, ça va mieux. Je pense que le stick a du mal. Le stick a du mal, en fait. Hop, donc désolé du petit... petit arrêt. J'ai repassé en mode... pas de directionnel, parce que j'y arrive beaucoup mieux avec ça. Il est beaucoup plus précis que... Quoique... En fait, je crois qu'il faut que je sois bien contre le mur, en fait. Parce que vous voyez, hop. Là, j'avais compris, en fait, dès qu'on est contre le mur, voilà, il faut appuyer sur les deux en même temps, en fait. Je fais un peu n'importe quoi, en fait. Voilà. Hop, est-ce que je tente de passer par là-haut? Non. Non, je vais pas tenter le diable. Je crois que là-bas, c'est pas la peine. Je vais essayer de repasser pour essayer de récupérer le machin. Ça m'intrigue. Il faudra pas que je me fasse avoir, par contre. Ah, celui-ci m'a eu. Là, hop. Celui-ci m'a eu. Donc là, il faut que je me souvienne où c'est. Ah. Ah, bah là, de toute façon, je connais le wall jump. Quoique... Est-ce que je peux utiliser un power bomb, tiens. Non. Apparemment pas. Malheureusement pas. Faire des petits sauts. Ah, encore repasser par ici, là. Le passage chiant du jeu. On va utiliser notre... invulnérabilité. Non, on peut pas passer là, on va devoir les exploser. Ils sont embêtants ces petits mobs. Moi, je vais utiliser des missiles, hein. Pas s'ennuyer avec. Où
couvert bonbon à enlever. Donc encore eux. Non, je sais faire. Hein. Ouais, je sais faire, je dis ça. En fait, il faut être direct sur le mur et vous renvoyer. Alors, bah, vous voyez, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Dès qu'on a pris le coup, de toute façon, ça passe vite. Alors, j'avais réussi tout à l'heure. Allez, vous voyez, dès qu'on s'arrête, je me suis pris le rebord, ce qui sert pas. Allez, oh, j'ai du mal. On va passer par là, hein, tant pis. On va regrimper, parce que... Je pense qu'il faut que je retourne en arrière, là. Je retourne en arrière. Où c'est qu'il faut que j'aille? Où c'est que je ne suis pas allé? Il y a des zones que j'ai pas fait. Il va falloir que j'aille les faire pour le vérifier. Mais si je peux toujours pas passer, je pense que ce sera pour un moment ou un autre. Hop, on l'a pulvérisé. On va récupérer l'énergie. Ah oui, je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Là, on va utiliser le booster. Voilà. C'est justement ce que je pensais vouloir faire. Voilà. Donc là, nous avons un petit pote qui nous montre un truc. Voilà, il nous montre la puissance de du boost. Voilà. Et voilà, donc, mais par contre on se prend un vilain dégât. Et qui n'est pas... Qui demanderait... Je crois qu'eux ils sont en métal, je peux pas les tuer qu'avec un missile. Les tuer en fait. Donc là je vais quand même aller sur le passage qui est sur la droite. Pour récupérer, je crois que c'est de l'énergie là. Ouais, c'est pour remettre de l'énergie. Parce qu'on va se prendre encore des dégâts. Je vais faire un petit coup d'explosif, on sait jamais. Voilà, pour vérifier que j'oublie rien. Là, c'est pour encore montrer une partie de notre pouvoir. Là, en fait, il faut se baisser au bon moment. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi je l'ai pas fait sur là où il y a les petits, nos petits monstres. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des mobs hostiles dans ce jeu. Ouais, là, il faut se baisser au bon moment, en fait. Faut être à fond. Voilà. Vous voyez, on perd de l'énergie quand on fait ça. C'est un peu... Donc là, oui, il faut que je passe tout à droite. Prends des dégâts, c'est pas grave, c'est pas grave. Passer tout à droite. Là, par contre, il y a une zone... Je crois que c'est ici. Je crois que la porte est par là. Voilà, il y a une petite porte ici. Cette porte est à exploser avec la power bomb. Oula 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 là, déjà dès qu'on rentre ici, c'est le bordel. Ah, je crois
que c'est pas maintenant qu'on peut y aller ici. Vous voyez, il y a le... Il va falloir que je récupère le grappin. Oui, il y a un grappin à récupérer. Ce jeu est aussi doté d'un grappin. Tiens, je vais essayer de voir si je peux utiliser le wall jump ici. Si j'y arrive. Apparemment pas. Apparemment non. Non. Est-ce que je... Non. Ici c'est un passage pour plus tard. Tac. Non. Ah, ça y est, ça commence les fails. Je vais regarder. Il y a une salle en face. Je vais aller la faire. Même si on est... Je vous avoue, on est à la fin de la vidéo. Voilà. Ah là, il y a une salle. Hop. Avec la power bomb. Il doit y avoir un truc à récupérer, je pense. Oula, calmez-vous. Direct dessus, là. Hop. Eh, messieurs, messieurs, messieurs. Nous allons être sages, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes des mobs. Les mobs, c'est pas sage. Donc là, on va utiliser la dernière power bomb. On augmente la jauge de power bomb. C'est pas mal. Donc là par contre on peut aller à la suite. Ah. On donne une power bomb pour l'utiliser. Là vous voyez on revient au départ. Et là je pense qu'il va falloir que je descende juste là en bas. Peut-être je vais pouvoir aller sur... Ah ben je vais pouvoir commencer à aller à Maridia. Hein, souvenez-vous, le petit tunnel qu'on voit là, vous voyez les tout petits pointillés qu'on voit là au centre. Au centre, et bien en fait... Maintenant que j'ai la power bomb, je vais pouvoir casser le machin. Hein, souvenez-vous, je m'étais amusé à essayer de casser le truc. Et là, je vais pouvoir le casser vraiment avec les power bombs. Mais malheureusement, on verra ça au prochain épisode. Donc je vous remercie de... m'avoir suivi, je voulais pas le casser comme ça, mais bon, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.